Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live en domination, encore sur infection. J'ai l'impression qu'on ne fait que de l'infection tout le temps. Alors on est tombé dans une partie où on se fait un petit peu violer, mais je pense à mon avis, il y a moyen de rattraper. Il y a large moyen de rattraper, là les alliés ont bien leur taf, j'ai l'impression. Donc à mon avis, on peut rattraper assez facilement. Où est-ce qu'il est l'ennemi? Je sais qu'il y en a un là-bas, mais... Ok, bon. Écoute, on va prendre le risque, on va avancer un petit peu. Oh nice, il est en bas le mec. Non? Si? Non? S'il y en avait en bas, mais bon. Ok, il y en a juste là. Où est-ce qu'il est? Les mecs, ils font exprès de s'en aller, tu as l'impression. Exprès de s'enfuir. Voilà, bon. Allez, maintenant ils vont capturer B. Oh, je m'en sors bien avec ce petit low sight là. Lol, le headshot quoi. Je m'attendais pas vraiment à faire un headshot là, mais ok. Il est où lui? J'ai l'impression qu'il y en a partout. Il y a vraiment du monde partout, c'est chaud. On a les 3 points en plus, en vrai. Merde, oh dommage. Oh nice, alors ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je sais pas trop par où ça va arriver, s'il y en a deux qui vont arriver en haut là-bas. Ah. Ah. Je sais pas trop comment où me placer là. Là je suis un petit peu... Ah dommage, j'aurais bien aimé avoir un des deux kills au moins. Allez, petit Talon, au moins ça va aider. Oh mon Al Race en plus. Ah, sinon j'aurai le temps, allez. C'est bon, merci. C'est gentil. Apprendre à viser. Ah non mais apprendre à viser. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, on se réveille quand même. Allez, on y croit. Eh, si je fais le nucléaire avec le Shiva, franchement, ça serait juste énorme. Ça serait vraiment pas mal. Oh putain, forcément, faut que ça tourne. On les a mais violés, mais c'est arrivé d'un coup. Genre, il y avait 6 à 30, un truc comme ça au début de la partie. Et là, je sais pas ce qui se passe, mais il n'y a plus rien pour eux. Tellement de dégâts de chute. Les mecs, ils ont des boosts. Ils ont des jetpacks et tout, mais ils prennent quand même des dégâts de chute. Ah, dommage. Eh, hey, arrêtez de me prendre le kill là, les gars! Comment tu veux que je fasse une nucléaire si tu prends tous mes kills? Va falloir que je claque mon spécialiste là. Où est-ce qu'il est le dernier? Oh, il vient de pas dépasser, merde. Nice! Ah, merci, bah voilà l'allié, c'est ça qu'il faut faire! C'est ça qu'il faut faire. Attends, avant de dépasser, je vais quand même attendre de régénérer ma vie parce que. C'est ce qui se passe quand je régène pas ma vie, donc on va se calmer un petit peu. Mais non, c'est quoi cette grenade perdue? Arrête, le mec il spawn, il balance une grenade au pif. Non, c'est n'importe quoi. Je suis désolé, avec un 14-0, c'est exactement la même chose que la partie de l'épisode d'avant, quoi. 14-0 et c'est du bullshit total. Oh shit, ah voilà, maintenant je suis déconcentré. Ah mais honnêtement, je suis complètement déconcentré avec ce bullshit de 14-0 qui... Oh, je tire à côté en plus. Oh là là, non mais non, cette vieille grenade perdue, ça m'apprendra à pas mettre l'anti-explosion là, j'ai jamais... Je sais pas pourquoi je mets jamais le bouclier anti-explosion et à chaque fois que je crève avec ça, je me dis putain, pourquoi je mets pas le bouclier anti-explosion? À chaque fois, je me bouffe une grenade comme ça, une vieille grenade perdue dégueulasse. Ah. Ah c'est horrible ça c'est horrible. Bon c'est pas complètement perdu non plus parce que on peut encore la faire je pense dans la deuxième manche. Oui, je suis assez d'accord avec l'autre, no streaks, please. J'aimerais bien pouvoir réussir à faire une série sans Raps Race et compagnie, là, s'il peut ne mettre que des haters et des trucs comme ça, ça m'arrangerait. Ah, la Power Core Hater, ça, franchement, c'est fat. Franchement, on a un allié qui joue vachement bien, j'ai l'impression, et ça fait plaisir, parce que ça arrive pas tout le temps. Je vais pas dire pas souvent, parce que c'est pas faux, mais ça arrive pas tout le temps. Ok, ça spawn au fond là-bas maintenant. Nice. C'est bon, il n'y en a plus. Oh, si, il y en a encore un. Il y en a encore un derrière. Il y en a encore un derrière. Est-ce qu'il est? C'est bon, il est mort? Non, il est tombé. Je sais pas. Il y a encore le point qui est sur la map, mais. Non, apparemment, il est tombé. Ok. Du coup, ça spawn un petit peu sur A là. Je sais pas comment je vais réussir à faire un nucléaire là, parce que franchement. Je trouve que ça va être un petit peu chaud au niveau du nombre de points, mais l'autre il a encore mis un vrai, c'est pour ça aussi qu'on passe 30 plombes à chercher les ennemis.
Ah. Mais là, parce que du coup, il faut rusher et rusher au Shiva, c'est cool, mais quand même. C'est cool, mais quand même. Le rush au Shiva, franchement, c'est chaud, quoi. C'est chaud. On va mettre ça déjà, ok, il y en a un là-bas. Oh, le headshot. Pff, oh, alors lui, il s'est bouffé, hein, c'est head, mon gars. Ok, pas de power core. Bon, bah, on met ça alors. Nice. Oh, yes, je l'ai eu, lol, j'ai tiré à côté. Moi quand je tue un mec en tirant à côté ça me va, hein, y a pas de soucis. Ok. On est 145, faut vraiment qu'on arrête de faire du triple cap là mais. Non non mec attends. Attends qui cap, Ah je t'avais dit attends qui capait. C'est moi qui l'ai tué parce que sinon c'est lui qui allait me tuer donc Enfin c'est lui qui allait me tuer, sinon il allait me piquer le kill. Je dis n'importe quoi. Oh dommage. Oh mais ça spawn là-bas. Oh mais non. Je suis dégoûté. Oh non mais le mec il est campé dans le fond de son spawn. Oh là là. C'est marrant parce que genre on les viole à mort et en fait. En fait c'est quand on les viole à ce point là, je me pose toujours la question, c'est est-ce qu'on les viole parce que les mecs ne bougent jamais de leur spawn ou est-ce qu'on les viole au point qu'ils ne peuvent plus bouger de leur spawn. Parce que c'est toujours la grande question parce que t'as l'impression que les mecs quand ils respawn au final ils sont juste. Ah c'est bizarre. J'ai l'impression qu'ils bougent pas du spawn et qu'ils ont pas envie de bouger du spawn, mais en fait c'est peut-être juste qu'ils peuvent pas, mais quand tu regardes les killcams, les mecs tu vois qu'ils sont viseur fixe et qu'ils attendent tout le temps quoi, donc c'est pour ça j'ai du mal à saisir des fois, je sais pas trop lequel fait quoi. Mais bon, ça va, j'ai gagné pas mal de points pour la série là dans cette avec ce spécialiste. Je spawn toujours tous là-bas. Non au fond tu l'as eu. Ok. Bon apparemment il y a plus personne. Ça fut une partie assez expédié, assez expéditive. On les a violés assez méchamment quand même. Bon bah merci écoute, le mec m'a juste sauvé la vie. Ah, je sais pas s'il m'a sauvé la vie ou s'il m'a piqué les kills mais bon. Ok, bon un petit 33-3 ça va franchement mais... J'ai pas eu assez d'occasions malheureusement dans cette partie, j'ai à peine eu assez d'occasions, c'est un petit peu dommage. Parce qu'au final je pense que j'aurais quand même pu faire une... J'aurais pu faire la nuque tu vois. Bon si je m'étais pas bouffé cette grenade perdue, j'aurais probablement réussi à faire la nuque tu vois. Mais bon voilà, hein, ça m'apprendra à pas utiliser le bouclier anti-explosion et puis voilà. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée. Et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao.